Bonjour, chères participantes, chers participants à notre cours sur la gouvernance minière et le développement durable. Aujourd'hui, donc, nous sommes au module 5 qui traite du cadre politique et du cadre institutionnel de la gouvernance minière ainsi que du développement durable. Il faut reconnaître que nos différents pays ont mis en place plusieurs instruments politiques ou institutionnels pour gouverner donc l'exploitation minière. Il y a des références internationales que nous pouvons utiliser aussi pour le développement de ces cadres dans nos pays. Et l'objectif à travers ce module, donc, c'est de savoir appliquer les principes et les orientations des documents cadres dans le domaine de la gouvernance minière, donc tout ce qui est documents cadres en matière de développement durable, les documents connexes, c'est de pouvoir établir les liens entre les documents cadres nationaux et la gouvernance minière, au sens où dans vos différents pays, il y a des politiques sectorielles qui ont été élaborées. Il faut pouvoir faire le lien entre ces politiques sectorielles ou les stratégies et plans et donc le secteur de l'exploitation minière. Quels sont les aspects de ces politiques qui concerne donc la gouvernance du secteur minier. Ensuite, c'est d'établir le lien entre les documents cadres et les objectifs de développement durable. Quels sont les liens entre les différentes politiques, les différentes stratégies que les pays disposent et les objectifs, les 17 objectifs de développement durable. Et nous allons nous inspirer surtout du cas du Burkina Faso pour expliquer un peu ces liens ou donner des exemples en la matière. Et le dernier objectif, c'est de connaître les institutions en charge du développement durable et de la gouvernance minière, les interactions entre ces institutions. Il arrive des fois ou même souvent qu'au niveau des acteurs d'un même pays, on ne se connaisse pas assez bien, les institutions ne communiquent pas, ne coopèrent pas. Et l'importance ici, donc, c'est de voir quelles peuvent être les institutions dans nos pays qui sont concernées par la gouvernance minière, par le développement durable et les possibilités donc de coopération entre ces institutions. Nous allons parler du cadre politique, donc un premier point, et en nous inspirant donc de l'exemple du Burkina Faso qui a mis en place une politique sectorielle en matière de mines. Il y a plusieurs autres politiques sectorielles que nous citerons donc en exemple dans certaines parties. Et la politique sectorielle donc des mines, et nous allons voir essentiellement, est fondée sur des référentiels nationaux et internationaux. C'est la politique elle-même qui mentionne cela, en citant donc les objectifs du millénaire pour le développement. Notons qu'aujourd'hui, nous parlons des objectifs de développement durable, parce que les objectifs du millénaire pour le développement a pris, en fait, leur mise en œuvre a plus ou moins pris fin en 2015 avec l'adoption de l'agenda 2030, qui est une continuité en réalité, ça vient comme un remplacement, mais qui est une continuité avec des améliorations pour pousser le développement donc, de nos sociétés beaucoup plus en avant. Et la politique sectorielle s'appuie sur la politique minière commune de l'UE, la politique minière de la CEDEAO, la vision minière africaine, donc établie par l'Union africaine, ainsi que l'étude nationale prospective Burkina 2025, qui est un document de référence pour la quasi-totalité des politiques sectorielles développées au niveau du Burkina Faso. Et la vision de la politique sectorielle des mines, c'est qu'à l'horizon 2025, le secteur minier du Burkina Faso soit compétitif et que ce secteur constitue un véritable levier de développement socio-économique et durable pour le pays. Et c'est une vision noble qui a tout son sens et pour laquelle le pays travaille, donc pour pouvoir atteindre cette vision. Et pour atteindre donc ou réaliser cette vision, la politique sectorielle a établi un certain nombre de principes directeurs de la gouvernance minière. Ces principes déterminent la bonne gouvernance du secteur, leur respect, leur mise en œuvre, contribuant donc à la bonne gouvernance du secteur minier. Si on ne respecte pas ces principes, ce n'est pas évident donc que le pays puisse connaître une bonne gouvernance et au-delà donc un développement durable. Et lorsque nous regardons ces principes, nous verrons que certains principes sont directement issus donc des principes de développement durable, même si l'ensemble des principes, non seulement à la bonne gouvernance du secteur, mais au développement durable.
Il y a certains principes qui sont directement donc des principes de développement durable. Regardons quelques principes. Le premier principe qui dit que donc les ressources minérales sont donc de la propriété de l'État. C'est une des recommandations ou un des principes des référentiels au niveau régional, au niveau africain, au niveau de la CEDEAO. Et dans les lois, ce principe a été aussi traduit. On le verra dans la loi minière du Burkina Faso, comme la loi modèle de la CEDEAO également. Il est important que les États soient donc responsables, soient les propriétaires donc des ressources minérales pour favoriser leur contrôle, leur gestion, la planification de leur exploitation pour éviter tout conflit autour de ces ressources minérales et pouvoir les exploiter véritablement pour le développement des nations. Un autre principe, c'est la bonne gouvernance et dans laquelle ou sous lequel principe la politique minière du Burkina Faso voit donc l'équité entre les différents sexes, l'équité entre les couches sociales, entre les hommes et les femmes, les jeunes, les populations vulnérables, etc. La transparence dans l'exploitation minière, donc communiquer toutes les informations concernant l'exploitation minière, communiquer les informations sur les ressources, leur disponibilité, ce qui est exploité et la planification, les retombées, etc. L'obligation de rendre compte, toujours dans la bonne gouvernance, savoir que l'État doit rendre compte donc à la population, les entreprises minières doivent rendre compte à l'État, aux communautés locales. Il faut que les informations soient communiquées. Et cela concerne tous les acteurs. Il y a le contrôle, l'anticipation, donc qui entre aussi dans le cadre de ce principe de bonne gouvernance. Un autre principe, c'est la participation et la responsabilisation. Donc, faire participer les différents acteurs, les populations, et de partager les responsabilités de façon claire, donc en vue d'une bonne gouvernance du secteur et d'un développement durable. Je peux aller directement au principe de la durabilité à la suite, qui est un principe fondamental donc pour la mise en œuvre des ODD et qui ressort aussi dans la politique sectorielle en matière de développement durable, la politique nationale, pardon, du développement durable du Burkina Faso. Et la durabilité qui sous-entend donc la prise en compte des générations futures dans l'exploitation minière, la planification de l'exploitation de telle sorte à ce que les ressources minérales soient exploitées de façon donc optimisée, de façon rentable, de façon économique et sociale et de façon environnementale. Tous ces aspects doivent être respectés. Nous avons le principe de la préservation de l'environnement, donc qui est l'un des trois piliers donc du développement durable, promouvoir le développement social et économique tout en intégrant, en prenant en compte la protection, la préservation de l'environnement, qui nous permet donc de disposer des ressources minérales, des ressources naturelles dont nous avons besoin pour la mise en œuvre du développement durable. Il y a les autres principes de développement communautaire. La prise en compte donc des thématiques transversales que je ne vais pas commenter. Et cette politique sectorielle comprend un certain nombre d'objectifs et des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. L'objectif principal donc de la politique, c'est de poursuivre donc ou de promouvoir un secteur minier compétitif qui est capable d'impulser la croissance économique et le développement durable du Burkina Faso. Et pour réaliser cet objectif global, il y a des objectifs stratégiques qui ont été déclinés dans la politique, à savoir promouvoir le secteur minier pour en faire un levier de développement durable, donc ce qui découle de la vision même de cette politique, et ensuite de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles du ministère qui est en charge du secteur minier ainsi que des acteurs qui sont concernés. Et il y a plusieurs actions, comme je le disais, qui ont été établies pour atteindre ces objectifs. Et nous ne pouvons pas voir toutes ces actions dans le détail. Vous les retrouverez dans les autres supports que vous avez. Et cela a été décliné sous forme donc de programme. Il y a donc deux programmes. Le programme 1 qui comporte 10 actions
et le programme 2 qui s'articule autour de sept actions. Lesquelles actions intègrent donc les aspects de la durabilité, couvrent les objectifs de développement durable assez largement, et lesquelles actions intègrent aussi les actions et les objectifs que nous retrouvons dans la vision du régime minier de l'Afrique. Et en faisant d'ailleurs donc une comparaison entre la vision du régime minier de l'Afrique et la politique sectorielle des mines du Burkina Faso, on peut voir que beaucoup d'objectifs donc se croisent, beaucoup d'actions se croisent. Les objectifs de la vision du régime minier en Afrique sont déclinés à travers des actions planifiées dans la politique sectorielle des mines du Burkina Faso. Il y a quelques points qui restent peu développés dans la politique minière, même si dans les principes, ces points ressortent. Dans les actions, ces points peuvent être renforcés. Mais remarquons qu'il y a d'autres politiques sectorielles qui en réalité couvrent ces points. Et donc, ce n'est pas une faiblesse en soi parce qu'il y a des politiques sectorielles qui ont été développées dans d'autres domaines. La politique sectorielle de mine ne pouvant pas tout traduire, même si ces points ressortent clairement dans la vision du régime minier en Afrique. Donc, il y a des aspects comme la promotion de l'équité transgénérationnelle. Il y a les questions genre et le renforcement des capacités des femmes. Il y a l'aspect souhaité donc de l'exploitation minière et la gestion donc du matériel, l'intendance matérielle, la lutte contre les violations des droits humains, la promotion des droits humains, le cadre politique juridique donc pour la gouvernance du secteur minier au Burkina en parle. Et il y a une commission qui a été mise en place à cet effet. Il y a des textes à la matière, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, surtout que dans la pratique, il y a des pratiques, en fait, violant ces droits sans que les concernés n'aient toujours donc, accès donc, aux recours comme il faut. Nous allons parler des droits humains dans le module 7. Nous pouvons davantage échanger sur cette question. Il y a la question des normes. C'est vrai qu'il y a un cadre juridique avec des lois, avec des décrets. Mais en matière de normes, normes de qualité, les critères, donc les limites, les seuils concernant les différents aspects, il y a encore beaucoup d'efforts à faire donc, pour établir ces différents éléments qui rentrent évidemment en compte dans la promotion donc, du développement durable. Et nous abordons donc un deuxième point, la politique nationale de développement durable, la PNDD, qui a été adoptée depuis 2012-2013 et qui établit 12 principes en matière de développement durable. Les principes, vous les avez, vous pouvez les voir donc en détail dans votre texte avec les commentaires là-dessus. Et ces 12 principes sont censés être pris en compte dans les différentes politiques sectorielles donc au niveau du Burkina Faso. Et effectivement, quand on fait une analyse des différentes politiques sectorielles, on voit que bien de ces principes sont déclinés dans ces politiques sectorielles. Les politiques sectorielles ne peuvent pas reprendre tous ces 12 principes dans leur contenu, mais les principes qui ont un lien direct avec les domaines concernés et les principes fondamentaux en matière du développement durable au sens où le développement durable donc, doit se refléter dans tous les secteurs. Et en faisant une analyse au niveau national, d'ailleurs, à travers une étude, il s'avérait donc que les politiques sur un certain nombre de politiques sectorielles qui ont été analysées, les principes comme par exemple la protection de l'environnement, était directement imprimé dans un certain pourcentage donc, des politiques sectorielles, quoi, autour de 5% de ces politiques sectorielles en fonction du nombre qui a été analysé. Et des principes comme le principe de précaution peut se retrouver donc dans un certain pourcentage des politiques sectorielles, autour donc, de 26% des politiques sectorielles. Et la subsidiarité, vous retrouvez ça également, donc, etc. Donc,
Cette illustration vous permet aussi de faire cette analyse lorsque vous êtes dans le même milieu ou dans d'autres domaines pour voir dans quelle mesure les politiques qui sont en place intègrent suffisamment la question du développement durable et surtout dans le domaine minier. Et qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer donc cette prise en compte? Donc, cet exemple sert pour les autres pays également. Et en comparant justement la politique nationale de développement durable, c'est-à-dire ses principes avec les principes donc établis par la politique sectorielle des mines du Burkina, en regardant les deux, donc plusieurs des principes du développement durable sont reflétés convenablement donc, dans la politique sectorielle des mines, comme vous pouvez le voir donc, dans le tableau en face. Bon, les principes qui ne ressortent pas clairement, c'est-à-dire ce n'est pas exprimé avec les mêmes mots, mais peuvent se retrouver effectivement reflétés dans les autres principes d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas la même formulation en terminologie. Et ce que nous constatons aussi, c'est que les objectifs du développement durable ont été donc traduits, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les politiques sectorielles, dans les différentes politiques sectorielles. Et chaque objectif de développement durable est plus ou moins pris en compte dans une politique sectorielle ou dans plusieurs politiques sectorielles. Donc, pour le secteur minier qui doit mettre les ODD en œuvre, il doit faire référence au recours aussi aux autres politiques pour la bonne gouvernance de ce secteur, puisque ces autres politiques, justement, prennent en compte les différents objectifs de développement durable. Et quand vous prenez, par exemple, la politique sectorielle agro-silvopastorale, c'est une politique qui intègre les ODD 1, les ODD 2, etc., et qui peut servir aussi ou qui a une référence. Pas que ça peut servir, ça sert au secteur minier, donc pour promouvoir certaines actions en faveur donc du développement des activités agro-silvopastorales, qui sont des activités généralement soutenues par les sociétés minières dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises ou dans le cadre des plans de gestion environnementale et sociale, dans le cadre de la relocalisation, le déplacement et la réinstallation des populations, où les sociétés sont amenées souvent à aménager donc des superficies pour ces populations qui ont été déplacées. Voici juste un exemple, et c'est de même pour les autres politiques. Les actions du secteur minier, du gouvernement ou des sociétés minières en matière d'éducation, en matière de santé, doivent se référer aux ODD qui concernent ces domaines, mais aux politiques sectorielles au niveau national qui concernent également ces domaines. Et c'est de cette façon que le développement durable va être convenablement donc intégré dans la gouvernance minière. Et nous allons parler du cadre institutionnel qui permet justement de mettre en œuvre ces différentes politiques qui ont été citées en exemple et les autres politiques en lisant les supports, vous allez voir les autres politiques et il y a des institutions qui doivent être en place ou qui sont déjà en place donc pour mettre en place en œuvre ces politiques. Et au niveau international, juste un rappel, quand nous parlons de développement durable, de la gouvernance minière, nous l'avons vu dans le module 1 et les autres modules qui ont suivi en termes de rappel. Donc, nous avons des institutions comme les Nations Unies, qui est justement l'institution en charge des questions de développement durable. Nous avons la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, donc la CEA. Donc, dans la branche LIDEP, donc organise ce cours. Nous avons l'Union africaine, le secrétaire international donc de l'ITIE, etc. Au niveau national, donc il y a des institutions qui ont été mises en place et la responsabilité en matière de gestion du secteur minier et en matière de développement durable donc a été confié à l'État. L'État est le premier responsable, cela est de même dans tous les pays, dans tous les cas, dans la promotion de la bonne gouvernance ou dans la gouvernance du secteur minier. Comme nous l'avons vu au niveau de la politique, il est mentionné en termes de propriété que l'État est propriétaire des ressources minérales. Par conséquent, la responsabilité revient de planifier donc la gestion. Et cela est bien dit dans le cadre juridique du Burkina Faso à travers donc la loi minière
Au niveau gouvernemental, il y a donc le décret 2021-002, etc., qui porte composition, qui donne les responsabilités donc, des différents départements ministériels dans leur domaine, et des responsabilités ou de ces attributions. Quand nous regardons, effectivement, nous verrons qu'il y a bien d'attributions qui couvrent le secteur minier. D'où l'importance pour les différents acteurs de faire connaissance de ces attributions et de collaborer. Et je vous remercie donc le support que vous avez pour voir un peu les différentes attributions que nous avons fait ressortir pour chaque département ministériel, les attributions en lien direct avec la gouvernance du secteur minier. Et au niveau du ministère des Mines, le ministère en charge des Mines, ces attributions ont été clairement définies également, puisque ça, c'est la base, la pratique de tous les jours. Nous n'allons pas lire ça ou commenter ça en détail, mais lorsqu'on regarde ces attributions, on voit que ça intègre les différents éléments donc, de la politique minière, ça intègre les responsabilités que les référentiels internationaux donc, laissent aux États. Et les autres ministères, comme je le disais, vont jouer un rôle important. Par exemple, en matière de sécurité, le ministère de la Sécurité a un rôle très important donc, dans la protection des sites miniers. Hein, le ministère de l'administration territoriale a un rôle important dans la gestion, la prévention des conflits communautaires. Hein, par conséquent, dans le secteur minier, il va jouer un rôle important hein, parce qu'il y a bien des conflits communautaires liés aux exploitations minières. Hein, le ministère de l'économie, nul doute de ses responsabilités. Et qui interagit directement avec le ministère des Mines, l'ITU, l'Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, est logée dans ce ministère dans le cadre du Burkina. Il y a le ministère de l'Environnement, donc vous connaissez aussi les responsabilités en la matière, aussi de lire donc, le support qui accompagne ce module-là. Au niveau opérationnel, il y a bien des institutions, des structures qui ont été mises en place également. Et dans l'exemple du Burkina Faso, nous avons le Conseil national pour le développement durable. Donc, ce sont les organes pour la mise en œuvre du développement durable. Le CNDD a été mis en place. Nous avons le secrétaire exécutif du Fonds vert pour le climat. Le CNDD est véritablement l'institution donc, qui s'occupe de la mise en œuvre véritablement de la politique en matière de développement durable, comme la loi même le mentionne. Et il y a l'observatoire qui a été mis en place également pour appuyer les actions donc, du CNDD. Et nous avons les autres organes qui accompagnent donc, le secteur exécutif du Fonds vert pour le climat. Il y a beaucoup d'actions donc, en matière de climat, en matière d'environnement et qui concernent aussi le secteur minier qui contribue au développement durable. C'est important qu'il y ait une collaboration entre les acteurs du secteur minier avec ce fonds, au sens où il peut bénéficier de ces fonds verts justement pour la promotion de la protection de l'environnement pour certaines actions vertes. Nous avons le FIE, le Fonds d'intervention pour l'environnement, qui n'est pas mentionné ici, qui est un fonds très important également, puisque le fonds de réhabilitation des mines est logé au guichet du FIE. Et c'est le FIE qui s'occupe de la gestion, du déblocage des fonds qui sont en fait déposés en compte ouvert au niveau de la BCAO, mais le FIE étant donc l'organe de gestion, de supervision, etc. Donc, il y a d'autres organes en matière d'exploration. Nous avons le Bureau de mines, de la géologie du Burkina, donc le BMIGEB. En matière donc, de gestion de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée, nous avons l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières, artisanales et semi-mécanisées, l'ANEMAS, que j'ai cité jusque-là comme un exemple très intéressant. Donc, il peut vraiment aider à la bonne gestion donc, de l'exploitation à petite échelle qui pose d'énormes difficultés à tous les pays. Et les pays qui n'ont pas encore ce type donc, d'organisme peut s'inspirer de ces cas. C'est vrai que dans la pratique, l'ANEMAS est en train de travailler. Il y a encore du chemin à faire, mais le fait d'avoir déjà créé la structure est déjà quelque chose d'important. Et les autorisations et permis, donc, il y a la Commission nationale des mines qui intervient à ces niveaux.
niveau. Pour ce qui concerne donc la transparence et la lutte contre la fraude, nous avons le secrétaire permanent d'Elitié, donc qui s'occupe de ces questions. Il y a des structures qui interviennent donc, dans les inspections, le contrôle des sites miniers. Il y a des structures qui sont chargées de la sécurité environnementale et sociale. Donc, nous avons l'Agence nationale des évaluations environnementales, l'ANEV, qui joue un très grand rôle dans ce domaine. Et avec la mise en place de cette structure, ça a créé beaucoup de facilités donc, pour les évaluations environnementales au Burkina Faso, pour le suivi des plans de gestion environnementale et sociale. Le volet réhabilitation est géré donc, par un comité technique qui est dirigé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, qui est le président et qui, de ce comité technique. Nous avons d'autres structures de contrôle donc en matière d'environnement, la direction générale de la préservation de l'environnement. Les questions de produits chimiques sont gérées par cette structure. Nous avons la direction des eaux et forêts. Nous avons l'autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. Service, contrôle, règlement, tout ce qui est utilisation donc, des matières ou des équipements contenant des matières radioactives. Il y en a bien dans les mines, les choses nucléaires ou choses radioactives qui sont utilisées pour les contrôles qualité, les contrôles de densité des minéraires ou lors des travaux donc pour les mesures d'utilité militaire, etc. Et il faut superviser, réglementer donc leur utilisation. Et nous avons la chambre des mines, naturellement, donc qui est dans, je crois, tous les pays. Je ne connais pas un pays qui n'en dispose pas, peut-être qu'il y en a. Donc, cette chambre des mines existe et qui facilite donc la gouvernance aussi de ce secteur qui contribue beaucoup à cela. Donc, pour résumer donc ce cours, pour conclure, nous avons parlé du cadre politique et nous avons pris l'exemple du Burkina avec la politique sectorielle des mines, la politique nationale de développement durable. Et il y a plusieurs autres politiques sectorielles que vous avez dans les supports. Nous avons parlé des objectifs de développement durable en voyant comment est-ce qu'ils sont pris en compte actuellement au niveau des politiques sectorielles. Et nous avons finalement parlé du cadre institutionnel, donc mis en place pour la mise en œuvre des différentes actions, des différents objectifs donc en matière de gouvernance minière et de développement durable. Merci de votre aimable attention. N'oubliez pas donc de traiter les quiz et de partager les expériences de votre pays concernant ce volet. Merci.